Je suis Ingrid Kadja et je suis la fondatrice de Allons Seulement, Cocorico. C'est un concept que j'avais créé dans l'intention de célébrer la pop culture ivoirienne et le langage ivoirien, le mot ivoirien. C'est juste parti d'un rêve en fait. Ce qui est derrière, c'est de pouvoir célébrer le langage ivoirien à travers des livres, des dessins animés et tout. Mais à la base, je voulais d'abord avoir une communauté qui va me suivre et voir un peu ce que nous faisons. Donc c'est pour ça que j'ai créé la page Facebook et j'ai commencé petit à petit avec mon équipe et ainsi de suite jusqu'à ce que je trouve une niche que je vois que oui, les gens apprécient un peu la niche vers laquelle je partais, c'est-à-dire l'humour ivoirien, l'humour décalé, qui surfe sur le buzz et tout ça. J'ai fait du journalisme. Presse écrite et gestion éditoriale. Mais j'ai toujours aimé le dessin. Même si je ne suis pas dessinatrice à la base, mais les illustrations, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Donc, il m'a fallu du temps pour pouvoir faire le premier pas. En fait, c'est en fonction des sujets d'actualité. Souvent, il y a les buzz qu'on essaie de récupérer. Il y a aussi la nostalgie. Il y a des sujets dont on parle, il y a des parents qui s'y reconnaissent et on peut faire au moins 1000 likes. En fait, ça dépend de l'ambiance du jour par rapport aux recherches. On peut mettre un sujet qui ne va pas porter. Mais souvent, si on met un sujet où on ne s'attend pas et les gens vont tellement adorer que en fait, ça est juste pour célébrer le mot ivoirien, le malparlage, comme on le dit souvent. Mais quand on met, on se rend compte que les autres pays, les pays aux alentours s'y reconnaissent en fait. Donc c'est un peu la culture africaine, la façon de parler des mamans africaines, des pères et tout. Ma particularité, c'est qu'on peut tout dire en fait. Et c'est pas seulement dans le français soutenu. C'est un français que tout le monde s'y reconnaît, que ce soit nous, chi, le français ivoirien un peu, vous voyez. Il arrive souvent qu'il y a certaines marques qui nous approchent et on fait un peu. On leur dit ce qu'on fait et par rapport à nos clients, il y a certaines entreprises qui nous approchent aussi. J'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui, Allons Seulement puisse faire 2000 à 2500 en stories et 1500 likes en fait. Franchement, si quelqu'un m'avait dit qu'un jour j'allais avoir même 200 likes, je n'aurais pas cru. Donc franchement, peut-être que ce sont que des likes, mais il y a un sentiment d'avoir fait quelque chose en fait. Aujourd'hui.